Salut, c'est Philippe. J'espère que vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur les produits chausses de AliExpress. Donc alors, on va commencer par le premier objet. Le premier objet, ah, tiens, ça va être tout ici. Quand je l'ai commandé, tiens, ça va être bien pour décorer et donner une ambiance au setup. C'est une barre lumineuse. Ici, on a une petite support. D'un côté, les LED. De l'autre côté, tout ce qui est connexion et Bluetooth. Quand je l'ai commandé, j'ai pas fait attention, mais il y avait la possibilité d'avoir plusieurs couleurs. Je pensais avoir commandé la carcasse. Ici le gris, et en fait j'ai reçu la noire. Bon, ok, c'est pas bien grave. Ce qu'ils veulent nous faire, c'est ce qu'elle est capable de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez ça tout de suite. Effectivement, elle réagit avec la voix, puisqu'il y a un micro. On va avoir différents réglages. Là, on va pouvoir régler les différentes modes et différentes couleurs. On va pouvoir régler là aussi les intensités, et en plus, monocouleurs ou différentes couleurs. Et là, dernier, l'iPhone mode de rétroéclair. Rien que ça, c'est super. D'accord? Donc, on va le mettre. Regardez. Hop. 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 Il y a de quoi vraiment. En plus, on dispose ici de petits autocollants pour mettre ici. Et vous allez pouvoir fixer ça devant, derrière, sur le côté, dans votre setup pour emmener cette appareil. Et le tout, c'est pas sympa ça, l'éclairage qu'on va mettre au-dessus de l'écran. Mais dans mon setup, et vous verrez dans la vidéo de setup, il y a un écran en position de portrait. Quand je voulais mettre celle que j'ai, ben, elle est beaucoup plus grande puisqu'il y a la version paysage. Ici, ce serait quand même pas mal de trouver une lumière, mais pour les écrans version portrait. Regardez, j'ai trouvé. Et on va, alors je vous rappelle, hein, tous les produits, c'est des produits à moins. Regardez ça ici. On va pouvoir ici, elle s'incline, toujours pareil, le même principe. Hein. On met le bord de l'écran, vous serrez et vous avez votre lumière au-dessus de l'écran. Mais par rapport à sa dimension, ça fait vraiment la dimension en niveau portrait de l'écran ou alors sur l'ordinateur portable. Donc ça, c'est vraiment, c'était pour ça, c'était sympa. Alors, elle est équipée pareil en USB-C. Donc là, ici devant, on a trois boutons. Pour l'allumer, les différentes intensités, et il y a une minuterie au bout de temps de temps. Donc là, pour calculer une heure, elle va s'arrêter. Quand la lune, on va pouvoir mettre donc effectivement les différentes intensités, augmenter ou diminuer. Pour là, au-dessus de votre écran, vraiment très bien, donc très pratique, et vraiment ça va bien éclairer. Alors, les deux autres produits, j'en ferai des vidéos dédiées, puisque il y en a vraiment un où je voulais tester, j'étais un petit peu curieux par rapport à ça. Et l'autre, je n'avais pas cette version Bluetooth, j'ai dit tiens. Alors, c'est le casque ici. Alors, vous voyez, la boîte, bon, voilà, elle n'est pas top, le packaging, c'est pas vraiment génial. Je rappelle qu'on est sur des produits de 15 euros maximum de AliExpress, ça confirme. Après, à l'intérieur, on a le sac, le casque dedans. C'est un casque pliable, voilà, avec son arceau. No comment. Tout est en plastique dur. Vraiment, ça fait très fragile, d'accord. Bon, il y a différentes couleurs. En revanche, les bonnettes, c'est des bonnettes en semi-cuir. C'est pas mal. Ça, je m'en passe pas. Donc, dernier produit, là aussi, je vous pourrais faire une vidéo dédiée, c'est un micro. Et c'est un micro pareil, Bluetooth, et donc, en plus, sans fil. Alors, comme ça, et moi, ce qui m'a plu, c'est, regardez, quand l'ouvre, on dirait qu'il est directement dans son écran. On a deux parties, la partie avec la bonnette et la petite pièce qu'on va venir fixer sur soi, et l'autre partie qui va se fixer sur la source, caméra, téléphone et autres. Plus aussi le câble pour le choix. Voilà les amis, donc je voulais faire cette type de vidéo. Donc entre le micro, hop, que je vais vous remettre, le casque, la petite barre lumineuse, et ça, c'est mon nouveau copain. Ah bah oui, ces produits-là, voilà, de AliExpress Shop, je valide. En conclusion,
AliExpress permet à toute la famille de s'équiper pour pas cher. Ça, c'est très bien. Voilà les amis, je l'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Philippe, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.